Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Cherchez pas, j'ai eu une inspiration de bleu à cause de mon vernis à ongles, donc j'ai tout fait autour. Oui, ça arrive des fois, tu fais ton style, tes vêtements, ton make-up, à cause de ton vernis. C'est n'importe quoi, voilà. Je porte le designer blue de chez MAC sur les lèvres, qui est juste une pure tuerie. Et pour les yeux, j'avais vraiment envie de faire simple. Un trait de liner bleu, on n'en parle plus, c'est y part. Voilà, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous aimez pas, je m'en... cordialement. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour un try-on. Cette fois-ci c'est le site Dress Lily. Dress Lily c'est un site avec lequel je fais beaucoup de partenariats comme ça, try-on. C'est d'ailleurs le premier site qui m'avait contacté pour que je fasse ce genre de vidéo. Donc merci beaucoup Dress Lily. Et depuis je reçois de temps en temps une sélection de vêtements. Ils me donnent un budget sur le site et je peux choisir ce que je veux dans ce budget. Là ils m'ont demandé de choisir des choses. Non, d'ailleurs ils m'ont rien demandé du tout, je crois. Je sais pas s'ils m'ont dit de choisir des maillots de bain ou des trucs comme ça. Peut-être qu'ils m'ont dit de choisir des maillots de bain. Enfin oui, effectivement, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on aura des maillots de bain. Mais pas que, hein. J'ai pris deux tops et une robe. Et le reste, ce sera que des maillots de bain. J'ai 7 articles à vous montrer. Ouais, quand même. Donc voilà. Alors... Dress Lily, c'est un site qui est asiatique où vous pouvez trouver de la grande taille pour la femme. Je sais pas s'il y a des vêtements hommes, des catégories vêtements hommes. Je ne sais pas du tout, il me semble pas. En tout cas, vous avez de la déco, des accessoires, donc tout ce qui est sac, bijoux, etc. Mais surtout et avant tout, des vêtements. Pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, c'est un site où il y a beaucoup de choses, beaucoup de styles, mais ça reste quand même dans leur propre style à eux, je trouve. Mais vous avez quand même des pépites, surtout comme moi, vous habillez en grande taille et que vous voulez des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou des choses complètement standard, basiques, mais adaptées à votre taille tout simplement. Je le dis à chaque fois, mais Dress Lily, au niveau des tailles, tout comme tous les sites asiatiques, ce ne sont pas vos tailles que vous devez choisir, ce sont vos mesures. Vous prenez les vêtements en fonction de vos mesures. Il se peut que, je vous donne un chiffre tout bidon, que pour un tour de taille à 100, vous deviez prendre sur le site une taille 1XL ou 2XL, et que pour un autre article, pour la même taille à 100, vous devez prendre juste XL ou 3XL. C'est pas du tout par taille, c'est par mesure, je le dirai à chaque fois. Bon, pour cette sélection de vêtements, je vous avouerai que j'ai eu une petite déception. Deux petites déceptions, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, mais je suis là pour vous parler du positif et du négatif. Et dans l'ensemble, ça reste quand même assez positif, mais... c'est pas toujours tout beau tout rose, pourtant je regarde les avis et tout ça, mais il se peut des fois que vous ayez des surprises. En tout cas, l'ensemble de tout ce que je vais vous présenter, c'est quand même très sympa. Ce sont des vêtements que je porte au quotidien, hein. Voilà, dans mes dernières vidéos, ma dernière vidéo try on justement, j'avais le top là qui était avec des fleurs rouges ici, et le reste c'était en espèce de résine. Ça vient de chez Dress Lily. Vous avez plein de trucs comme ça que je porte quotidiennement, des robes, des tops et tout, des jeans, et enfin quoique en pantalon, non, je vous dis des bêtises, chez Dress Lily j'ai pas de jeans. En pantalon chez Dress Lily, je trouve qu'ils ont pas trop de choix, ou alors ils ont des trucs très bariolés, je comprends pas trop. Mais bon, c'est pas mon style, on va plus dire ça comme ça. Alors, attention, je mets les gros warnings. Dans cette vidéo, vous allez me voir en maillot de bain. Voilà, je sais que ça vous gêne pas en général. Moi non plus, sinon je ne le ferai pas. Je suis une plus size, j'ai du gras, des bourrelets, des vergetures. J'ai aussi beaucoup de cicatrices sur mon ventre à cause de mes opérations. Et ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Tout mon corps, mes vergetures, mes cicatrices, ça raconte mon histoire, voilà. Je vous dis pas que je suis fière d'être grosse, je vous dis juste que je m'accepte, tout simplement. Donc oui, dans cette vidéo, le but c'est aussi de vous montrer des maillots de bain pour que vous puissiez voir que c'est pas parce qu'on dépasse la taille 42 qu'on est forcément
un lion qu'il faut mettre dans une cage, voilà, un chien de foire ou je sais pas comment on dit ça. Voilà, le but c'est de vous dire que même avec de la grande taille, vous pouvez vous faire kiffer et ce genre de site est là pour justement nous apporter le plaisir de pouvoir porter des choses pour nous tout simplement. J'en ai perdu mon souffle. Donc oui, et puis en plus de ça, je me suis fait attaquer dernièrement par comment ça s'appelle ? Vous m'avez dit dans ma vidéo que c'était des punaises de lit. Non, c'est pas du tout des punaises de lit, ce sont des moustiques, voilà. Donc j'ai des bleus partout parce que j'arrête pas de faire des travaux, de déplacer des meubles. Donc vous verrez des bleus, vous verrez des fois des piqûres parce que oui, je me fais piquer par des sticks mous. Enfin bref, c'est l'été. Enfin, c'est l'été au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est pas encore l'été. Hein. Je me décale comme d'habitude pour vous mettre ici la photo du site avec le prix et vous mettre l'essayage de moi avec le vêtement que je vous présente tout simplement. Voilà. Alors Dress Lily travaille avec le site Rosegal pour la grande taille. Voilà, Rosegal c'est aussi un site qui fait que de la grande taille, mais généralement moi quand je commande sur Dress Lily, vu que je suis en grande taille, je vais dans leur session grande taille, je reçois toujours les petites pochettes comme ça, parce qu'à chaque fois ce sont des petites pochettes zippées comme ça qu'on reçoit. Et bah c'est toujours du Rosegal pour la plupart du temps. Il y a juste un truc, c'est Dress Lily, vous allez voir. Ce sont sympas, enfin ces petites pochettes elles sont sympas parce que du coup vous pouvez les réutiliser pour mettre moi je mets mes sacs à main dedans, mais vous pouvez mettre des fringues, des sacs, peu importe, faire du rangement chez vous. Donc on va regarder le premier article. Alors je suis hyper mitigée, vraiment. J'ai pris cette superbe robe qui vaut quand même presque 40 euros sur le site. Alors elle est magnifique, hein. Ça fait déjà plusieurs fois que je la regarde. C'est une robe comme ça qui est un peu en espèce de velours, mais vous savez, avec cette matière là, là, vous voyez, très très belle, très très magnifique. Je l'ai pris en 2X, donc à chaque fois vous avez le truc Rosegal et tout. Seulement j'ai un gros souci avec cette robe et franchement pour le prix je suis hyper hyper déçue. Je pensais que ça allait être des strass et tout sur les manches là. Seulement ce sont des espèces de petits trucs qui sont cousus et vous voyez, il en manque partout. Il en manque partout. Ça a été fait dans un truc qui a été découpé au ciseau là. La découpe, c'est un espèce, vous voyez, de tulle noire avec des trucs qui ont été mis dessus partout. J'en ai partout chez moi, regardez. J'ai fait le try-on hier. Oh là là, il y en a plein là sur le bureau. Je suis un peu dégoûtée, ça. Un passage en machine, il n'y en a plus. Alors déjà que je ne l'avais même pas porté, je l'ai sorti du sachet. Il y en avait partout. Et bah là, bah voilà. J'en fous partout. J'ai fait le try-on hier. Chez moi, j'en avais partout sur mon lit, partout dans la chambre, par terre, parce que je me suis habillée dans la chambre. J'en avais partout dans la salle, là où j'ai fait le try-on. Je suis assez déçue. La découpe, là, c'est ni fait ni à faire, franchement. À ce prix-là, en plus, c'est sur un tulle noir. C'est mal fini, là, c'est... Non. Une robe à 40 euros, non. Là, je suis pas d'accord, par contre, Rosegal, enfin, Dress Lily... là, il y a une doublure et tout, la matière est hyper belle, la robe est hyper belle, elle tombe hyper bien et tout, il y a une doublure, donc c'est pas transparent, elle est hyper lourde, vous voyez, c'est vachement beau, mais non, enfin, c'est ça là, c'est ça, ça, non, non, il y a des fils partout là, des... Donc je suis hyper déçue, mais bon voilà, je sais que je vais la porter une fois, deux fois et c'est limite poubelle quoi. Je pense qu'après, je vais aller la laver. Quand je l'aurai lavée, il n'y aura plus rien sur la robe. D'ailleurs je vais en profiter, à chaque fois je coupe les étiquettes. Oula, reste avec nous quoi. À chaque fois je coupe les étiquettes, mais là je vais aussi en profiter pour couper les fils. Là par contre je suis déçue, vous voyez, pourtant Dress Lily, j'ai jamais eu de problème avec leurs vêtements, au contraire, mais là, en plus, c'est l'article le plus cher. 40 euros, quoi. Bon, on va continuer dans les vêtements. Et je vous dis, on enchaînera avec les maillots de bain. J'ai reçu ce petit sachet. Alors, cette fois-ci, lui, il n'est pas avec un zip, mais on s'en fiche. Alors, c'est un petit top. Alors, il est trop beau. Mais par contre, il m'arrive juste en dessous le nombril. J'ai pas compris. Il est magnifique, c'est un petit top comme ça
en dentelle, vraiment très très beau. Vous avez une doublure en dessous qui fait que c'est pas transparent pour vous. Ça se ferme derrière avec une petite goutte, un petit bouton comme ça, donc c'est nickel. Il y a un petit col et tout. La dentelle est hyper belle, c'est un peu élastique, vous voyez. Je crois que j'ai pris 3 XL pour cet article, il me semble. Ouais, c'est 3 XL. Il est trop trop beau, il n'y a pas de doublure sur les manches. La finition au niveau des poignets est vraiment vraiment très très jolie comme ça. Quand je l'ai reçu, j'avais plein de fils aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette commande. Pourtant, ce sont des articles voilà, qui sont bien notés sur le site et tout. Mais alors, il est hyper court. Il est hyper court. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas parce que ce genre de top, je vais le rentrer dans un jean, dans un pantalon à pinces et tout ça. Donc, on ne voit pas s'il est court. Ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez le mettre par-dessus un jean ou que vous n'aimez pas votre bidou ou un truc comme ça, bah malheureusement, ce n'est pas l'article qui vous conviendra. Mais sinon, à part ça, il est vraiment très très beau. Ça, je sais que vous allez me voir le porter dans plusieurs vidéos, ça c'est sûr et certain. En plus, les manches, elles tombent super bien ici. Enfin, c'est vraiment trop trop top, mais j'ai pas compris que ce soit aussi court que ça. Parce que pour le coup, c'est vraiment court. Bon, ça va, c'est pas non plus un crop top, on voit pas non plus mon ventre. Mais si vous préférez des choses plus longues pour cacher votre bidou, si vous avez le ventre qui tombe un petit peu, ou beaucoup, peu importe, et bah c'est pas l'article qui vous conviendra. Ensuite, troisième top, qui a plein de... Oh, y a plein de trucs là, c'est relou hein, ça hein. Oh, je vais devoir encore passer aspirateur partout là. Donc toujours dans un petit sachet. Là c'est un petit top. Alors par contre là je suis hyper ravie. Je suis trop contente. C'est une petite chemise. J'adore ce genre de chemise en fait. Parce que j'adore le porter avec des slims. Ou même un legging. Voilà. C'est une petite chemise blanche comme ça. Avec toute une partie verte comme ça dessus. La partie verte est très élastique. Je l'ai pris en 3X il me semble, ouais 3X. Donc la partie verte est très élastique, mais sinon bah justement ça épouse bien le corps. J'aime bien, ça fait un petit peu loose. Voilà, c'est la tenue. Vous pouvez la porter et faire un effet, j'enlève l'étiquette en même temps. Faire un effet très habillé ou au contraire plutôt streetwear. J'ai plein d'idées pour porter cette petite chemise. Elle est vraiment trop trop belle, les manches comme ça et tout. Enfin, on a l'impression d'avoir un petit tablier vert comme ça. Par contre, ouais, là aussi, il y a aussi des fils. Mais bon, je suis pas chipoteuse hein, sur les fils. Vous avez des fils partout, hein. Même quand vous allez chez Zara ou H&M, vous avez des fils. Je me dépêche parce que ça vient de frapper et c'est le monsieur d'EDF qui va couper le compteur. Donc, j'aurai plus du tout de lumière. Je fais fissa fissa. Alors, cette fois-ci, au niveau des vêtements, c'est terminé. Là, on va passer à tout ce qui est maillot de bain. Alors, maillot de bain, au niveau des tailles, j'ai tout pris, il me semble, en X, en 1XL. Il y a juste un truc que j'ai pris en XL tout court. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, bref, vous allez voir. Donc, premier maillot de bain que j'ai reçu cette fois-ci, c'est dans une pochette de la marque Dress Lily directement. Alors, il est magnifique, je ne rentre pas du tout dedans. Je l'ai pris, je vous dis tout de suite, hein, je l'ai pris en, je ne sais plus, en quelle taille je l'ai pris, je crois que je l'ai pris en 1X, en 2X, XXL je l'ai pris. Et il est magnifique, hein, comme ça, de toute façon je vous remets la photo. C'est une pièce et tout, vous pouvez régler tout, c'est ça que j'aime beaucoup. Vous pouvez régler les bretelles, vous avez également... derrière un petit crochet comme ça, en fait il est comme ça, derrière vous avez le crochet qui vient de s'enlever, vous avez des coques que vous pouvez enlever, voilà, qui tombent comme ça devant, seulement mes seins passent de tous les côtés, c'est voilà, je pouvais pas le mettre, ça va très bien au niveau du bas, la cambrure et tout, sauf que vous voyez... mes seins, non, c'était pas possible. J'avais tous mes roploplos qui passaient sur le côté et tout. Donc, bah, malheureusement, j'ai pas pu vous faire l'essayage. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un produit Dress Lily directement dans leur pochette Dress Lily. Donc, je suppose que c'est pas vraiment grande taille. Ça taille pas si grand que ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette fois-ci le rose gal, mais juste le Dress Lily. Donc, c'est pas adapté. Malheureusement aux morphos qui sont comme les miennes. Ensuite on va continuer avec les maillots de bain. Donc cette fois-ci rose gal. Quand j'ai vu ça j'ai fait
Il est magnifique celui-ci. J'ai pris que des deux pièces après. Là, j'ai pris un ensemble comme ça. Alors, pour tous les essayages de maillot de bain, j'ai gardé ma culotte en dessous. Hein. Donc, si vous voyez ma culotte sur le côté, derrière, devant, ou peu importe, c'est normal parce que je ne les ai pas encore lavées. Donc, j'allais pas, mettre mon truc dedans. Enfin, mon truc, vous avez compris. Bref, le bas du maillot de bain se présente comme ça. Donc, je l'ai pris en 1XL. J'ai beaucoup de maillots de bain de chez Dress Lily et c'est top. Hein. Donc, 1XL comme ça. La culotte est plutôt haute. Alors, faut aimer hein, si vous avez des bourrelets, que vous assumez pas votre ventre ou peu importe. Mais faites-vous kiffer. Hein, ça, c'est le mot d'ordre. Donc, elle est vraiment très, très belle, la petite culotte. Je trouvais que ça changeait. Ça changeait. Puis, j'aime le vert. Donc, voilà. Et le haut qui va avec, pareil, je trouvais ça trop mignon. Et puis j'aime beaucoup, je trouve que ça maintient bien la poitrine pour le coup. Alors hop, je vais y arriver. C'est plus facile quand on le met sur soi. Donc c'est un haut bandeau comme ça. Vous n'avez pas de quoi l'attacher. Enfin, vous avez effectivement un passant pour le mettre autour de votre cou. Et après, vous avez plein de petites franges comme ça qui viennent par-dessus. Et du coup, c'est à vous de resserrer pour que ça tienne bien au niveau de votre cou avec ça. Écoutez, moi, ça maintenait plutôt bien. Vous avez également des coques à l'intérieur que vous pouvez enlever. Moi, je vais enlever les coques parce que j'aime pas trop cet aspect coque comme ça. Et puis, de toute façon, on voit pas vos tétés de par la matière, la couleur. Et puis, parce qu'il y a les petits froufrous, là, les petites franges qui sont devant, donc voilà, c'est vraiment trop top. Donc ça, je vais de suite aller le mettre à la machine et puis j'enlève ça, même s'il y avait des protections, vous voyez, pour j'essaie quand même avec mes sous-vêtements et je vais la mettre à la machine comme ça, là, quand les beaux jours vont revenir. On va sortir à la piscine, bon, pas chez moi parce que je peux pas mettre une piscine sur mon balcon, mais on va profiter de ces maillots de bain. Ensuite, et ça c'est un gros coup de cœur, c'est un maillot de bain aussi deux pièces qui est juste trop mignon. Alors je l'appelle le maillot de bain Ariel. C'est un maillot de bain un peu corail comme ça, donc le bas c'est aussi une culotte haute comme ça qui est juste trop regardez, corail comme ça avec cet aspect. Alors c'est pas de la dorure, c'est juste la couleur qui est comme ça, mais ça fait un aspect doré, donc je l'ai pris aussi en 1XL. Donc le bas est comme ça, trop mignon. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est le haut qui va avec et qui est juste trop flatteur en fait. Alors c'est un haut où vous pouvez enlever les bretelles, régler les bretelles comme vous voulez. Vous pouvez également derrière l'accrocher comme ça, voilà. Donc ça s'accroche, moi je n'enlève pas ça quand je le mets. Mais c'est un haut, on appelle ça tankini je crois. Donc du coup on ne voit pas votre bidouf. Et par contre là ce sont des coques et vous pouvez pas enlever les coques, mais c'est ça tient très bien la poitrine, c'est super beau, c'est magnifique, j'adore le petit froufrou comme ça, je trouve ça trop mignon, trop cutie franchement. Et vous pouvez régler les bretelles, les resserrer, faire un croisé derrière, et voilà, vous avez un petit nœud ici pour faire un peu pin-up, et j'adore l'ensemble, je trouve ça vraiment magnifique, je trouve que ça fait très... je sais pas, c'est mignon, c'est entre le pin-up et puis le jeune fille ou peu importe, enfin voilà, si vous aimez les maillots de bain ou pas. Et dernier maillot de bain que j'ai choisi, alors là par contre sur l'essayage vous allez voir, je l'avais serré au max donc j'étais pas yinde et ensuite je l'ai réessayé plus tard et cette fois-ci je l'ai bien desserré. Alors, donc pareil, cette fois-ci, je l'ai pris en XL parce que c'est un peu le même style que j'avais commandé sur un autre site. Donc la culotte, pareil, culotte haute comme ça, noire, très belle, franchement, avec ces petites froufrous comme ça. Du coup, ça épouse un peu votre silhouette et tout, vous êtes total confort dedans, honnêtement. Il n'y a aucun souci. Ouais, j'avais déjà enlevé le truc qui colle là, entre les jambes. C'est vraiment très top, c'est, voilà, enfin... Je suis contente. Alors, ce sont des pièces qui sont vendues ensemble. Hein, donc, vous ne pouvez pas choisir une taille pour le haut et une taille pour le bas. Il existe sur le site des pièces dépareillées comme ça, que vous pouvez acheter soit en bas, soit juste un haut. Et le haut se présente comme ceci. Voilà. Alors, moi, j'avais serré au max les bretelles. Et en plus, les bretelles, je les avais croisées derrière. Donc, autant vous dire que j'étais... et que la poitrine allait se barrer, et bien finalement non, finalement toutes les bretelles sont réglables et vous pouvez également, vous voyez, les enlever pour faire un effet croisé dans le dos, même le derrière comme ça là c'est réglable, et ben voilà, c'est trop bien, ça maintient, donc ce sont des coques, ce qui fait que ça maintient aussi votre poitrine,
C'est vraiment trop mignon, les petits trucs là comme ça là qui tombent devant. Je trouve ça assez beau et à la limite vous pouvez même porter ça et mettre par-dessus une petite chemise si vous voulez pas spécialement vous en servir de maillot de bain. Ça fait un peu, vous savez, les bralettes là. Donc je trouvais ça trop trop beau. Et voilà, la matière pareil est hyper belle, hyper confort. Donc bah écoutez, tant mieux. Là il y a quelques fils, il y a des armatures, ouais, mais c'est parfait. Donc voilà pour mes essayages Dress Lily. Ah, vous en avez vu des bourrelets. C'est pareil, vous me dites souvent, mais Marie, arrête de te dénigrer, t'es pas, arrête de dire t'es grosse. Mais je suis grosse, je me dénigre pas, c'est un fait. Je suis blanche, je vais pas dire je suis miel. De... Non, je suis blanche, je suis une blanche, je suis grosse, je suis grande, je suis voilà. En mettant des mots sur des mots, et vous me dites que je me dénigre. Alors non, pas du tout, si je me dénigrais, je ferais pas ce genre de vidéo. C'est juste que voilà, je vous montre telle que je suis, et oui, je suis grosse, j'ai des bourrelets, j'ai de la graisse, je mange bien à la cantine, voilà, tout va bien pour moi. Et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, enfin voilà, je m'assume, et mon message est avant tout de vous dire, assumez-vous aussi, voilà... vivez votre meilleure vie en étant toute nue ou en mettant des petits tops ou peu importe, on s'en fiche. Le tout, c'est d'être bien dans son corps, voilà, enfin surtout dans sa tête. Donc voilà pour mes petits essayages, j'espère que ça vous aura plu. Vous retrouvez toujours tous les liens dans la barre d'infos et si j'ai un code promo, c'est aussi dans la barre d'infos, j'ai un code promo. Enfin, je vous réécris tout. Regardez les barres d'infos, c'est fait pour ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous à me dire si vous connaissez ce site, ce que vous en pensez et quelles sont vos envies du moment. Est-ce que vous avez envie de maillot de bain comme ça, un peu sexy, malgré le fait, enfin c'est pas spécialement sexy, hein, mais où vous dévoilez un peu plus votre peau malgré le fait bah, que vous ayez des rondeurs, des bourrelets, des peu importe, on s'en fiche. Voilà, dites-moi vous. Qu'est-ce qui vous donne envie en ce moment? Merci à tous ceux qui vont sur mon YouTube pour regarder des vidéos, pour me faire des dons. Merci beaucoup et merci aussi à vous qui êtes là et qui regardez tout le temps mes vidéos, qui suivez mes vidéos, qui likez, qui commentez, qui vous abonnez, tout ça. Donc merci, merci beaucoup, vous êtes des amours. Vous sentez que je suis en train de me dépêcher devant le mec de DF qui est derrière la porte là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, c'est très important par les temps qui courent. Voilà, on le répétera jamais assez, mais faites attention à vous, mes petits anges, c'est très important. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.